Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue le projet de Deep avec son album Lebfilanoufek. On part sur la track WNPWY et je vais aller me traduire ça dans un truc de traducteur et on va voir ce que ça dit. Il est temps de descendre pour vous. C'est quoi? Ça veut dire genre en mode il est temps de baisser, de revenir à votre niveau de base, les autres rappeurs, un truc comme ça, non? Il est temps de descendre pour vous. Genre, il est arrivé maintenant. Il n'y a plus le choix, vous devrez descendre, il n'y a plus le choix. Donc, est-ce que c'est en solo? C'est avec quelqu'un? Il est en solo dessus. Et let's go, c'est la prod de. Oh là là, il y a le producteur dedans. Donc ça, quand tu vois autant de producteurs, alors ça, ils ont dû se retrouver en session studio avec Vla le monde. Et tout le monde a rajouté sa touche, ou bien ça part d'un gars. Et après l'autre, il a rajouté sa touche, il l'a envoyé à un autre et tout et tout. Genre, ça se fait en studio, ça. Tous ceux qui étaient présents, ils ont crédité, voilà. Bilou 4. Donc, Bilou 14. Bilou 14, Big Boss, Wanda Beats, Just Beats, Passa Beats. Il y a du monde pour cette track. Voyons voir. La sentence. Hey, ma nigga taille dans la rare. Je ne sais pas si tu es un homme qui a été 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 un Ce qui est incroyable déjà dessus, c'est le mixage des instruments, de tout ce que tu entends, droite, gauche. Son flow en fait il est tellement. En fait je crois qu'il a la voix parfaite pour rapper, pour poser en fait. Tout lui colle à la peau wesh. Les instruments, le mixage ils sont super bien faits. Il change de flow. Celui-là, c'est aussi un écho trip, j'ai l'impression. Il est temps de redescendre pour vous. Il est temps de descendre pour vous, ça veut dire. Oh, joli. Il a un bon flow. Celui-là, c'est un bon son rap, ego trip. En fait, ce qui est pas mal du tout dessus, c'est les instruments utilisés, le mixage des instruments. Quand tu l'écoutes dans un casque, je pense que ça doit être monstrueux. T'entends, ça bouge à droite, à gauche. Les instruments, tu les entends clair. Il y a des instruments que t'entends plus fort que d'autres. Le flow de Deep était impeccable dessus. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce son. Franchement, moi, ce qui m'a le plus vraiment percuté dans le cerveau, c'est l'équilibre entre les instruments, le mixage qu'il y a eu avec la prod, les instruments utilisés dans le son. C'était assez bien fait. Et je pense que dans les écouteurs ou dans un casque, ça doit être vraiment terrible. En haut-parleur, ça le fait tout autant parce qu'en fait, tu vois la puissance du son.
mais dans les écouteurs, et quand tu as bien le droite, gauche, le côté stéréo dans les oreilles, c'est fabuleux. Et je pense que ce morceau-là, il joue beaucoup dessus avec pas mal d'instruments qui ressortent bien. C'est étonnant comment ça ressort bien, hein. C'est ouf. Et le flow de Deep, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Franchement, ça passe tout seul. C'est un bon son rap. Lourd, hein, franchement, rien à dire, hein, ça passe très bien. Après, je pense pas que je vais le mettre dans mon top parce qu'il y a d'autres sons rap, un ou deux autres, que j'ai eu plus de feeling avec. Mais quand même, c'est quand même pas mauvais, hein, c'est quand même pas mauvais. Et toutes les tracks ont de la qualité, se ressemblent. Quand je dis se ressemblent, ça veut dire ont un niveau équitable à toutes les tracks. Donc, c'est ouf, hein, ce projet, hein. Franchement, les artistes sénégalais là, ils doivent prendre exemple, hein. Franchement, ce gars-là, il envoie de la qualité, et ça va être un tournant. Et quand tu te dis qu'il y a un gars qui envoie ça, qu'est-ce que un autre rappeur, un autre artiste doit faire encore plus pour envoyer plus de flow, plus de qualité et tout? C'est pas facile, hein. Source de motivation pour la nouvelle génération, t'es le papa des rappeurs, grand merci. Tu viens de sortir un nouveau style de rap, Gassen, tu nous montres à tous tes fans et aux petits rappeurs que le rap n'est pas seulement le freestyle ou le plus rapide de tous. Musicalement, tu les bats, et aussi moralement. Franchement, musicalement, cette track, elle faisait mal, elle faisait très très mal. Oh my god, tu nous régales, deep, un autre level. Non, ça c'est du deep, tant et rare. C'est vrai que c'est profond, cette track, c'est vrai, comme il a dit, c'est du deep, avec le mot en anglais. C'est vraiment profond, cette track. Oh, le beatmaker, masterclass, c'est du lourd. Wow, incontestablement le meilleur rappeur africain. Franchement, cette track, elle est vraiment pas mal du tout. Il montre aussi toutes ses qualités d'artiste rappeur dans ce son, et sur une instru vraiment bien rythmée, enfin pas rythmée, mais bien instrumentalisée, on va dire. Elle est bien complète, en tout cas cette prod. Et ce son, je le mettrai quand même pas dans mon top 5, parce que je crois qu'il y en a une ou deux qui m'ont survolé les oreilles en feu, en ce que tu veux. Mais en tout cas, elle est de qualité. C'est ça qui est le plus important, c'est que chaque track soit de qualité et touche la bonne cible, on va dire. Donc voilà, on va continuer cet album pour une autre vidéo. Et voilà, restez avec nous et restez connectés. On va en balancer tout ce qu'il faut pour checker cet album tellement attendu. Et il n'a pas déçu, ce gars-là. Donc voilà, restez avec nous et on va checker tout ça ensemble. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.